Bon, ça y est, on vient de quitter les États-Unis pour rentrer au Canada, mais là l'idée c'est pas de rester au Canada, c'est vraiment de traverser le plus vite possible pour aller jusqu'en Alaska, parce qu'on n'a plus beaucoup de jours sur notre autorisation, notre ESTA, notre autorisation pour être aux États-Unis. On n'a plus beaucoup de jours, donc on veut en profiter au maximum en Alaska. Dès qu'on aura fini l'Alaska, par contre, bien sûr, on reviendra au Canada pour finir tout ce qu'on n'a pas fait sur la route. C'est beau, c'est un lac, tout bleu, tout vert. Petite pause sandwich sur la route. Un autre noir. Sur le bord de la route. Juste au bord de la route. Ouais, ils sont en train de doubler le tronc, on dirait. Après bientôt 11 mois de voyage, on arrive en Alaska. Ça y est. Du sud de la Patagonie jusqu'à ici. On a roulé pendant. Donc on est parti fin août, on était mi-septembre. On était vers mi-septembre en Patagonie. Ça fait presque 11 mois quoi. Ça fait presque 11 mois, ouais. Ça fait 10 mois on va dire pour faire de la pointe sud à l'entrée de l'Alaska, au sud de l'Alaska. On va continuer à aller encore un peu plus au nord là. États-Unis, Canada. La frontière. Notre première nuit en Alaska. C'est bon. C'est bon pour Lucie. Et là, c'est du putter. Bravo! La Dalton Highway. C'est cette route qui va nous emmener jusqu'à Prudhoe Bay en passant par le cercle polaire arctique. Et voilà cette fameuse Dalton Highway. On est quand même là pour 678 km. Et voilà, il est là. Il est là le cercle polaire, on est dessus. Tiens, la latitude c'est pas un gros. 66-33. Donc là, on est là. Ça c'est la Russie. Là le nord de l'Europe et le Groenland. Je crois qu'on va avoir un peu de nettoyage à faire. Voilà, j'ai bien nettoyé deux vitres pour qu'on puisse regarder le paysage, mais on voyait plus rien.
derrière ça. Ah oui, c'était blanc avant ici. Eh mais on serait pas garé sur une piste d'avion là ? Au bout de la route, là. Il y a plus rien. Ah si. Ça y est, on est arrivé. Ça y est, c'est là, la fin de la fin. On est arrivé. On est à Desnors. On est arrivé à Desnors. On est parti. Du sud de la Patagonie. On est arrivé là. Du nord de l'Alaska. Bravo. On est arrivé au bout. La voiture aussi est arrivée au bout. Lui aussi, on l'a amené jusqu'ici. Desnors. C'est pas un nom de ville très accueillant, mais... Allez, bravo. Et on a quand même encore de la route pour retourner sur la côte est. Hein. Pour rentrer à la maison. Pour rentrer à la maison, on a encore quelques kilomètres à faire et quelques chouettes trucs à voir. Hein. Donc c'est pas fini. A bientôt sur la Dempster Highway. Alors on a quand même croisé un Defender... Ici à Prudhoe. Un Allemand. C'est Desnors ou Prudhoe ici? C'est Prudhoe. C'est Prudhoe. On a croisé un Defender ici, un Allemand. Ouais. Il fait le même trajet que nous, mais dans l'autre sens. Ouais. Du coup, il commence. Il commence tout juste, ouais. Et par contre, il a pris 3 ans pour faire l'itinéraire. Ouais. C'est beaucoup plus que nous. C'est marrant quand même de croiser un Defender ici, tout au bout du monde, quoi. Alors, trou de l'or ? Pas encore, mais on y croit. Ouais, un barrage de castor. Ouais, ça a été coupé par un castor. Hein. Ah oui, bah celui-là, ils l'ont attaqué. Pas fini, ouais. Donc il s'appelle Exit Glacier parce que
un groupe de randonneurs se balader sur les glaciers alentours. Et ils ont fini leur trek par celui-là. Et donc ils l'ont appelé Exit Glacier. Et voilà, notre dernière nuit aux États-Unis. Demain, Canada. Voilà, dernier repas en Alaska. Dernier repas aux États-Unis aussi. Et ouais, dernier repas aux États-Unis, t'as raison. On est pas mal là pour le bivouac. On va regarder le coucher de soleil qui va jamais se coucher. Demain, on repasse au Canada et on remonte au nord-nord-nord pour aller jusqu'à Tuktoyaktuk. On va faire la fameuse highway, comment ils l'appellent Dempster Highway. Ouais, mais avant, celle qui franchit entre le Canada et les Top of the World. Voilà, celle-là. On arrive à notre dernière frontière terrestre. On sort de l'Alaska et on va rentrer au Canada. J'ai arrêté de filmer parce que la douanière en général, Denis, ils aiment pas trop. Allez, ça y est, c'est parti pour un bon mois au Canada. On vient de passer la frontière. Dernier mois. On monte sur la barge.